Les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo défi. Donc, dans ce défi, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va jouer et tenter de gagner un match avec une équipe à 11 de collectif, donc le plus bas possible. Tout de suite, je vais vous montrer l'équipe. La voici, la voilà. Donc, il y a des joueurs assez intéressants dans cette équipe. Hein, Benzema, il y a quand même des bons joueurs, Neymar. Mais ils sont placés à des postes, hein, Neymar en défenseur central, Chicharito dans les cages. On verra bien ce que ça peut donner. Et on va voir si c'est possible de gagner un match. Et on va le lancer tout de suite. Et on se retrouve pour ce match. Alors, j'ai fait juste quelques petits changements à l'équipe. Et puis, on va partir comme ça. Voir si on va réussir à gagner ce match. On va lancer recherche d'adversaire. Et puis, on va se retrouver quand j'aurai trouvé cet adversaire. Alors, on a trouvé notre adversaire. Il a l'air d'avoir une bonne petite équipe quand même. Allez, il faut se mettre prêt, monsieur. Monsieur. Il faut se mettre prêt. Bon, allez, vous êtes à deux. Jouez à deux contre moi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on tente le tout pour le tout. Du coup, on est doublement handicapé, on a 11 de collectif, on joue contre deux mecs. Et en plus, ils ont une équipe plutôt stylée. Hein, elle est quand même pas mal, la Serie A, là, avec Nainggolan, Guarín, Callejón, Dybala, Candreva, Felipe Anderson, Bolucci, y a qui d'autre? Il y a Pérez, je crois. C'est Pérez, ouais, il y a Cáceres, il y a Zulinga, le gardien, je ne sais plus qui c'est. Du coup, est-ce qu'on va réussir à gagner? On est au stade Gerland, on est chez nous. Il y a Dimitri Payet. Oh Payet. Oh Payet. Oh Payet. Oh, tu l'as vu dans l'axe. Oh, c'est beau. C'est beau le football, Hervé. Oh non. Oh, quelle occasion. Oh, tu te calmes. Oh là là, Neymar. Oh, bah ça pue ça. Hein. Eh bah, je crois que ça fait déjà 1-0. Oh, il l'a mis au-dessus. Oui. Quelle sortie de notre gardien, qui est magnifique. Mec serre dans les cages. Oh là là, non, commencez pas à faire ça, s'il vous plaît. Bah oui, non, mais si on fait des... Là, c'est des passes décisives qu'on fait. Oh, les mecs, quand même, les passes, on sait les faire. Alors, voilà, on s'handicape tout de suite, on prend un but en 5 minutes de jeu. C'est pas possible, ça. Oh, c'est beau. Oh, si t'arrives à les mettre, oh, c'est beau, vas-y. Oui, non, non. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils sont nuls devant le but. Oh, oh, Goulam. Oh, Goulam. Oh non, il la sort, Goulam, il avait violé tout le monde. Allez, petite tête là, placée, non. Récupération Mané. En Mané, en Mané, boum. Mais je vais marquer ou pas? Petit centre. Oh, petite tête, et voilà l'égalisation. C'est mérité, on est dangereux depuis avant. Qui c'est qui vient nous marquer ce but? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Cette fois-ci, il n'est point passé. Oh, on a merdé. Oh, qu'on a merdé, oh, que c'est mal joué, l'autre qui... Allez, les gardiens. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Oh, t'aurais dû tenter le lob. Nul. Je dis nul, ce but. Allez, mais passe devant. Non, non. Mais non, mais... Non, mais... Mais c'est quoi, ça? On arrivait pas à lui prendre la balle. Le gardien qui bouge même pas. Tente quelque chose. Tente un plongeon, là. Là, ça m'énerve. Là. Je vais la récupérer avec Corona. Oh, du coup, on se complique la vie. En plus, il me gêne, il y a hors-jeu. Il passe n'importe où. Et pourquoi j'ai plus de défense? Oh, le tacle. Mais non, j'avais taclé. J'avais taclé. Alors, en fait, dans le match, t'as l'impression qu'il y a un moment où ça part en couille totale. Hein. Ça se passait plutôt bien, on avait égalisé, et d'un coup, ça part en couille. Bon, c'est la mi-temps. C'est vraiment très compliqué de jouer avec une équipe qui a que 11 de collectif. On perd 4-1. On va essayer. Pourtant, on a des occasions. Hein. Limite plus que l'adversaire. Enfin, même plus que l'adversaire. Mais bon. Voilà quoi, avec un gardien qui est un défenseur central à la base, tu prends quasiment un but sur chaque tir, donc c'est compliqué. On va essayer de faire un peu meilleure figure en deuxième période. Ça part bien, bah oui, une petite barre. Bah ouais, une petite barre. Une petite barre comme ça, comme si on galère déjà pas assez. Oh là là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ouh, la parade de notre gardien. Le mec qui met une tête de la surface de l'entrée, la surface de paration, c'est dangereux, mais bon, on retiendra la parade. Oh, le gardien qui sort pas. Oh là là, le gardien qui est... Pff, oh, tu siffles quoi, l'arbitre, merci. Parce que là, il y a le but. Tu passes devant, voilà. Tu la donnes à Corona. Corona, qui peut frapper et qui peut pas marquer parce que le gardien fait un arrêt absolument incroyable. Ça pue. Ça pue, ça pue. 3 contre 1. Oh, le mauvais. Ouais, mais bon, ils sont toujours... voilà. Voilà quoi, ils sont toujours 3 contre 1, donc c'était compliqué. En 5-1, ouais, ça confirme ce que je disais, c'est vraiment très compliqué. Pourtant, on a quelques occasions, mais bon, leur gardien, il est chaud. Encore Corona.
Oh, Corona. Avec Goulam. Allez, Goulam, tu marques cette fois-ci. Mais oui, bien joué, Goulam. Goulam, il est bon. Franchement, testez-le en buteur. Il est pas mal. Il est pas mal. Il fait le taf. Bon, là, il avait le champ libre, mais bon. Enfin, il a marqué. Je vais la marquer avec les pieds avant. C'est pas mal, ça, pour Corona. Allez, il y a Goulam qui est parti. Allez, Goulam. Allez, Goulam. Allez, Goulam. Pourquoi pas le doubler? L'enrouler? Oh, le con, elle partait bien. Dommage. Allez, il y a Karim Benzema. Pourquoi pas revenir à 5-3 sur cette occasion? Oh, on va y avoir du champ sur le côté. On va y avoir du champ sur le côté. Allez, Payet. Mais non, c'est pas possible, poteau. Laisse-moi marquer. Oh, dans le trou. C'est Micah Richards. Allez, donne-la. Il a réussi. Corona. Mais c'est pas possible. Toutes les occasions que j'ai. Ma parole, on en mettait la moitié de mes occasions. J'ai gagné 10-5. Eh ben, c'est terminé. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner le match. On perd 5-2. Ouais, c'est ça, 5-2. Pourtant, on a eu énormément d'occasions. Mais bon, c'est vraiment très compliqué. En fait, quand tu joues avec une équipe qui a 11 de collectif, tu as l'impression que tes joueurs, ils sont super nuls. Tu as beau avoir des Neymar et tout, tu as l'impression qu'ils ont tous... Bon, après, ils sont pas à leur place, c'est normal, mais tu as l'impression qu'ils ont tous 42 général. Tellement c'est compliqué de faire du jeu. On va quand même regarder les stats. Je suis quand même curieux. Je suis limite sûr qu'on a eu plus d'occasions. Bah voilà. On a quand même fait 14 tirs, je vais y arriver, à 8. 10 cadrés à 7, 50-50 en possession. Bon, on avait dominé, on a eu pas mal de cases, mais bon. Avec des défenseurs centrales pour finir, c'est compliqué. Et ben voilà, c'est ainsi qu'on va achever la vidéo sur une défaite. Je vous conseille d'essayer, enfin essayez, et dites-moi si vous arrivez à gagner avec une équipe de 11, avec 11 de collectif. Il y a peut-être moyen, si tu tombes sur une équipe full bronze, qui a aussi très peu de collectif ou un truc comme ça, mais bon, contre une équipe, on va dire, normale, une équipe potable, et ben c'est très 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 compliqué. Donc comme d'hab les mecs, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis c'est tout pour moi, je vous dis bye les gens.